Je ne sais pas si on dira quoi de 9 à 0 quand on parlera aux Troyens dans quelques années. Ils en reparleront eux, hein, bien sûr qu'ils le garderont comme un souvenir avec le temps. Il y en avoir un tiers. Oh oui, il n'y a pas d'enjeu. Pas d'enjeu pour Pastore et Dreyer. Et le quintuplé, non. Encore une fois, il y a quelqu'un entre Zlatan Ibrahimovic et les filets de l'Estac. Wow. 4 pour Ibra, c'est déjà un record égalé pour lui. Dans mon souvenir, il a réussi un quadruplé dans sa carrière parisienne, c'était Anderlecht. Dans mon souvenir en Ligue des Champions, il y a deux saisons. Qui ça, le quadruplé Ibra. C'est le seul quadruplé de sa carrière à Paris. Donc lui peut aller chercher ce qu'il n'a encore jamais fait au Paris Saint-Germain, un quadruplé. Je l'avais vu faire un Champions League, je dis des bêtises. À Leverkusen. Je m'emmerde avec ça. À Leverkusen, je crois qu'il en a mis 4. Non, c'est à Anderlecht. Ah ouais, je vais vérifier. Max Gradel, il va nous la sortir. Oui. Il y a un quadruplé dans sa carrière au Paris Saint-Germain, 7 triplés, 29 doublés. Et voilà, c'était le deuxième quadruplé, c'est pour aujourd'hui. Et je crois que c'était à Anderlecht. Et il avait quitté la pelouse, applaudi par le public du stade d'Anderlecht. Ouais, c'est bien Anderlecht, ouais, c'est bien Anderlecht. Merci Laurent. Ouais, c'est bien Anderlecht. Merci Laurent pour cette info. Non, parce qu'à Leverkusen, il me semblait, il en a mis 4 ou 3 aussi. Hein, ça devait être 3, oui, je crois. Ça devait être 3 alors à Leverkusen. Ça devait être 3 en 8ème de finale, effectivement. C'est terminé, pas de temps additionnel. Et 9-0, et bien sûr, le titre de champion de France, plus que jamais validé aujourd'hui par le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc, le 4e consécutif pour le club de la capitale, le 6e dans son histoire. Paris est champion de France et Paris est un champion de France qui marque 9 buts face à la Lanterne Rouge lors de cette 30e journée. C'est incroyable, Cavani et Ibra qui sont allés voir Dreyer.